Bonjour messieurs, les arènes de Châteaulin vous présentent aujourd'hui la première journée du trophée des maraîchers, course de Cotta pour le trophée des Alpes. Donc voici l'ordre de sortie des cocardiers. Premier, Abel Manade Nicolet. Deuxième, Hannibal Manade Rouquette. Troisième, Généroux Manade Nicolet. Quatrième, Luga Manade Sauvage. Cinquième, Prévu Manade Nicolet. Sixième, Fidolet Manade Sauvage. Et septième, Rabina Manade Rouquette. Le service médical. Le tour qui est un grand piste à Roland Abel et appartient à la malade Nicolet. Il est porteur d'une cocarde et de 2 grammes primés 90 euros chacun. Alors 2024 porte la cocarde à 100 euros. La cocarde de 54 euros pour le terrain de Samaria. Le deuxième gagne 90 euros pour le terrain de Sécartan. La Catorona a 2 euros de plus. Carrosserie Fabien Martinez à Catorona à côté de l'arène a 2 euros de plus. Le temps qui est pratique à Bruno Hannibal, il appartient à la malade Rouquette. Il est porteur d'une cocarde et de 2 grammes, il est 90 euros chacun. Coupe de la cocarde, 90 euros pour le père François Martin. Le conseil régional de la région du Sud, 2 euros de plus. La cocarde, 94 euros. L'explication de la cocarde est toujours en place, elle vaut 94 euros.
surnom le Gélébrouille. Il appartient à la manade de Nicolin, il est porteur d'une cocarde et de deux lames primées 90 euros chacun. La société de la Madeleine, le président et les bailleurs de 1924, 2 euros de plus. Coupe de la cocarde à 90 euros pour le faire des Saint-Marien à la cocarde à 90 euros après la coupe.
terminé l'année dernière au niveau des aficionados de 2 euros de plus. Un peu moins. Elle tient marquée à Saint-Renard, 2 euros de plus. Thank you.
Fabienne Martinez à Château-Renard, 2-0 de plus. Brasserie du Mille qui est tirée à Château-Renard, 2-0 de plus. 2-0 de plus. La première ficelle à ce 5 et 4 tours.